Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça faisait super longtemps que j'avais pas dit ça. Ça faisait très très longtemps. Nous sommes le samedi 6 mars, il est 16h30. Et je sais pas, j'avais envie de commencer un nouveau vlog en ce jour. Pour de multiples raisons, c'est vrai que ça me trotte en tête depuis quelques jours, j'avais envie. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai envie, eh bien il faut foncer, clairement. Parce que ces deux derniers mois... Ça a été un petit peu chaotique au niveau lecture, au niveau de la chaîne, au niveau de tout en fait, clairement. Donc je me dis que là si j'ai envie de commencer un nouveau vlog, et ben il faut que je fonce. Donc me voilà. Alors, la dernière fois que vous avez vu un vlog, vous, je pense que c'était au début du mois de février. Et c'était un vlog que j'avais dû terminer aux alentours du 10 janvier. Donc oui, ça fait longtemps. En fait j'ai commencé à tourner un autre vlog le lendemain du jour où j'avais terminé le précédent. Et vous n'avez jamais vu ce vlog pour une raison très simple et très compliquée à la fois. voilà, il s'est passé des choses dans ma vie personnelle ces derniers mois, plusieurs choses. Je n'ai presque pas lu depuis 2 mois. Au niveau du contenu sur ma page Instagram, sur ma chaîne YouTube, ça a été très sporadique aussi, clairement. Je pense que vous l'avez constaté. Et encore, j'ai essayé de tenir un petit peu le choc et de vous sortir la FAQ. Tout ça pour dire que du coup là je commence à retrouver un petit peu l'envie de lire, même si vous allez voir qu'en fait ça a été compliqué ces dernières semaines. Et comme je repars à Rennes dans une semaine et que j'ai des partiels la semaine prochaine, tout ça, j'ai envie juste de me challenger un petit peu en termes de lecture dans les prochains jours. C'est peut-être pas le bon moment, mais en même temps ça me permettra de me vider un peu la tête. Donc voilà, je reviens en vlog. Bref, c'est tout pour cette introduction. Donc ces deux derniers mois j'ai lu des mangas, et encore à chaque fois que je lisais un manga je mettais à peu près 4 jours à le lire. Un manga genre The Promised Neverland, 180 pages, 4 jours. Voilà, quand je vous dis que ça a été compliqué, c'était vraiment le cas. En termes de romans, j'en ai terminé, alors depuis que j'ai terminé de tourner le précédent vlog que vous n'avez jamais vu, j'en ai terminé un. C'était au cours du mois de février, j'ai lu Rapace de Ursula Poznanski, que j'avais reçu de la part des éditions de Milan, que j'ai bien aimé. C'était un bon thriller ado où on suit un garçon qui s'appelle Jonas, je crois, qui est surdoué, qui a 17 ans et qui va être pris pour rentrer dans une grande école pour les surdoués, tout ça. Et en fait ce garçon il a fabriqué un drone, et avec ce drone il va entendre des conversations et voir des choses qu'il n'aurait pas dû voir, qui vont le mettre dans des situations un petit peu compliquées. Il va être mêlé à une histoire assez sombre. Voilà, donc c'est un petit peu un... Oui, c'est un thriller. Je pense que c'est un bon thriller young adult. Avec quelques défauts, j'ai fait une chronique un petit peu longue sur mon blog. Je vous la mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais pas revenir dessus très longtemps. Mais en tout cas, j'ai lu celui-ci qui a été le seul roman que j'ai lu au mois de février. Voilà. Parce que du coup, quand il s'est passé ce qui s'est passé à la fin du mois de janvier, je lisais un livre en VO. Je lisais ceci, donc Autobiographie des Christina Loren. Et j'ai pas réussi à le terminer. Voilà. J'ai pas réussi à le terminer. Je l'ai mis en pause, hein, je le reprendrai. Parce qu'en fait, en soi, j'aimais beaucoup ce que je lisais. En plus, la plume est très accessible en VO. Genre, pas vraiment de soucis, sauf que bah, du coup ça me demandait beaucoup de concentration de lire en VO, ça me demandait plus de temps qu'un livre en français. Et comme c'est une romance, je suis un peu de mal. Voilà. Bref, donc celui-là je l'ai mis en pause, mais ça fait partie des romans que j'aimerais peut-être emmener à Rennes pour pouvoir le reprendre quand je serai là-bas, parce que je sais que j'aurai de toute façon plus de temps quand je serai à Rennes. Donc à voir, mais en tout cas j'avais commencé à lire celui-là, donc j'avais quand même dépassé la moitié, hein. On est quand même sur une avancée assez intéressante pour le coup, mais je ne l'ai pas terminé. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu des mangas, du coup j'ai lu les tomes 17 et 18 de The Promised Neverland. Aujourd'hui j'ai terminé le tome 1 de Après la pluie de Jun Mayuzuki, voilà, qui a été une bonne lecture. J'avais un petit peu peur de la thématique parce qu'on parle quand même d'une jeune fille de 17 ans, une lycéenne qui va tomber amoureuse de son patron qui a 45 ans. Voilà. Du coup, c'est pas une thématique qui... Enfin, c'est une thématique qui est assez touchy, en fait, tout simplement. Et j'avais un peu peur de voir comment ça allait être amené. Et en fait, j'aime beaucoup, j'ai bien aimé comment ça a été traité, justement. Et tant mieux, en fait, parce que j'ai acheté toute la saga.
voilà, vous verrez dans le prochain book haul. Faudrait que je vous tourne ça d'ailleurs la semaine prochaine si j'ai le temps. Parce que j'ai un peu craqué mon slip. En fait, j'étais dans une pente où je ne lisais pas. Mais par contre, j'ai bien acheté. J'ai acheté en fait beaucoup de mangas. J'ai pas acheté tellement de romans. J'en ai pas eu beaucoup dans ma pile à lire qui se sont rajoutés. Mais j'ai acheté beaucoup de mangas. Donc voilà. Bref, donc j'ai lu celui-ci. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu un petit album aussi. J'ai lu Le poisson qui me souriait de Jimmy Liao. Si vous vous souvenez, Jimmy Liao, c'est celui qui a fait Nuit étoilée. Donc Nuit étoilée, qui était un album que j'avais reçu pendant mon vlog alternance, et dont je vous avais parlé dans ce vlog-là, que j'avais adoré Nuit étoilée. Ça avait été pratiquement un coup de cœur, j'avais trop aimé. Du coup, celui-là, je l'ai lu dès que je l'ai reçu. Et j'ai bien aimé, c'est l'histoire d'un monsieur qu'on peut voir sur la couverture, qui va tomber nez à nez avec un poisson dans un aquarium de ville, si vous voulez. Et il va avoir l'impression que ce poisson lui sourit, donc il va le ramener chez lui dans un bocal. Et ça va être une histoire de solitude et à la fois de liberté. Et j'ai bien aimé, c'était très sympa, avec des planches dans les teintes bleues, voire carrément bleu-bleu, quoi. c'était très beau, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et de la même façon que Nuit étoilée, je vous le recommande, j'ai moins aimé que Nuit étoilée. Mais c'était intéressant et j'ai trouvé que les thématiques étaient bien abordées. Donc je vous le recommande. Et je pense que là, voilà, on a fait le tour de ce que j'ai lu au cours de ces deux derniers mois. J'exagère, du coup j'avais lu quelques romans dans toute la partie que je vous avais vlogué, que je ne sortirai jamais parce que c'est beaucoup... Enfin, c'est... Le vlog a été marqué par l'événement qui s'est produit. Et comme je ne l'ai pas continué, ça n'a pas de sens de vous poster maintenant un vlog que j'ai tourné il y a deux mois en fait. Ça n'a juste pas de sens. Donc voilà, vous ne verrez jamais ce que j'ai dit dans ce vlog et tant pis, je vous avais parlé de peut-être... 3 romans, je pense, 3-4 romans. Et mon challenge du jour, justement, parlons-en un petit peu. J'ai commencé un roman, là, il y a même pas une heure, je pense. J'ai commencé Une fille dans la foule de Charlotte Bousquet, que j'ai reçu de la part des éditions Flammarion Jeunesse. Et c'est un roman qui est illustré, c'est écrit très gros, avec des grosses marges. Donc autant vous dire que je me suis dit, comme il est petit en plus, je vais le lire dans le week-end. Voilà, et vu comme j'avance, c'est-à-dire que j'ai déjà lu le quart du roman, je pense que je vais même essayer de le terminer aujourd'hui. C'est un petit peu mon challenge du jour. Je suis censée travailler aussi aujourd'hui, je suis censée réviser, parce que la semaine prochaine, du coup, j'ai 3 partiels. Mais voilà, je pense que j'avais aussi besoin d'un petit jour off, parce que, comme je vous le disais, ou peut-être pas, je vous ai dit que du coup, il s'était passé pas mal de choses dans ces deux derniers mois, mais pas spécifiquement. J'ai été extrêmement accaparée, comme d'habitude, enfin, en fait, comme à chaque fois quand je suis en école, au niveau des cours, ça a été... Voilà, c'est très compliqué, je travaille jusqu'à minuit le soir et j'ai du mal à tenir les délais tellement c'est intense en fait. Et en plus, j'ai eu la très bonne idée de me lister au BDE de mon école. Le BDE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bureau des étudiants, donc au bureau des élèves. Bref, le bureau. C'est un petit peu l'association étudiante qui va organiser les événements autour de l'école et qui va aussi... avoir des missions de communication, ce genre de choses. Donc c'est quand même une association importante de l'école. Et là on était en campagne en fait, parce qu'on est deux listes à s'affronter, il y a les élections la semaine prochaine. Et du coup ça a été à nouveau quelque chose de très 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 chronophage. On a dû faire un film, on a dû faire une musique avec un clip, relever des défis, on était toujours au taquet H24, c'était très chronophage, mais c'était très enrichissant, j'avais jamais été investie comme ça dans une association, donc j'ai bien aimé avoir cette expérience là et je pense pas, je sais pas en fait, je sais pas si on va gagner les élections, mais dans tous les cas ça restera une expérience intéressante, même si effectivement ça m'a pris énormément de temps. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment que je parle et puis je vais m'en retourner, alors je sais pas si je continue ça directement, je pense que je vais aller manger un petit peu de chocolat parce que c'est l'heure. Et je suis vraiment contente de vous retrouver en vlog. Ça me fait très plaisir. Voilà, je tenais à vous le dire. Coucou, je vous retrouve. Il est 21h30, donc toujours samedi. Et je viens à l'instant de terminer Une fille dans la foule. Et je suis extrêmement fière de moi. Parce que, je vous l'ai dit, je n'ai presque pas lu depuis 2 mois. Et là, j'ai lu un roman... en l'espace de 5 heures. Bon, il est tout petit, comme je vous l'ai dit, c'est écrit très gros, il y a des dessins et tout. Mais n'empêche que je l'ai lu. Ça, c'est fou, clairement. Alors, concernant mon avis, j'avais vu des avis plutôt mitigés sur ce roman. Il est assez mal noté sur Livre Addict, il est actuellement à une note de 14,9.
ce qui est pas ouf, sachant que j'ai mis ma note qui est meilleure. La seule bonne critique que j'en avais entendue, c'était Clem de Synopsia. Et du coup, je partais un petit peu avec des a priori. J'avais un petit peu peur de pas apprécier ce roman. Et honnêtement, bah, j'ai vachement aimé. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce roman. J'ai trouvé qu'il véhiculait des bons messages. On va suivre Roxane, qui est en terminale au lycée. Et dont la meilleure amie, Maëlys, est une ado extrêmement engagée pour la cause du climat en particulier. Donc elles font des manifestations, Roxane suit sa meilleure amie partout, elles font plein de choses à la Greta Thunberg. Hein, d'ailleurs elles font souvent référence à Greta Thunberg dans le récit. Et il va se passer une chose lors d'une manifestation qui va faire basculer la vie de Roxane, je vous en dis pas plus. C'est très difficile de vous parler de ce roman parce qu'en fait, je peux facilement vous spoiler dans le sens que ce qui se passe, ce qui est indiqué dans le résumé, c'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre par la suite dans le roman. En fait, l'histoire du roman, l'essence même du roman, n'apparaît pas dans le résumé. Donc j'ai pas envie de vous spoiler. Bref, donc on part sur un récit assez engagé, hein, forcément, vous l'imaginez bien, mais pas engagé pour les choses auxquelles on s'attend, ou en tout cas, pas que. Et ça, j'ai bien aimé, parce que c'est un récit qui est assez surprenant, au final. Et il y a plein de bonnes choses que j'ai relevées, j'ai même fait une petite liste, pour ne rien oublier, parce que franchement, il y a plein de choses que je voulais vous faire remonter. Donc, comme je vous le disais, c'est un récit qui est assez engagé, et à la fois, ça tombe pas dans l'extrême. C'est-à-dire que on parle pas que de la cause que les personnages défendent, ça va au-delà de ça, ça va vers d'autres thématiques également. On n'a pas que la cause du climat, on a plein d'autres causes qui sont représentées, et notamment j'ai trouvé que c'était un récit qui était vachement inclusif. Je trouve que l'auteur s'est vachement bien documenté, ou en tout cas est beaucoup dans l'actualité, dans la mentalité des jeunes d'aujourd'hui. Mais j'ai trouvé que dans la première partie surtout, on était face à un contexte sociétal qui était extrêmement pessimiste. Je l'ai trouvé extrêmement négatif. J'ai trouvé que globalement, dès qu'il se passait quelque chose, dès qu'une situation se présentait, on avait toujours affaire au pire schéma possible par la suite. Du coup, moi, ce que j'ai pensé, ce que je me suis un petit peu forcée à faire, c'est de me dire qu'en fait, on n'est pas dans la même réalité que nous. C'est-à-dire que l'auteur, elle prend le parti de poser des bases d'un univers comme le nôtre, mais elle va pousser le vice jusqu'à créer une société qui est dans le pessimisme et dans les choses qui peuvent mal se passer, notamment au niveau du climat, vous l'imaginez bien, ça vient aussi servir à forcément sa cause, mais c'est un parti pris de l'auteur, c'est-à-dire que c'est pas, ça n'a pas vocation forcément à critiquer tous les points de la société, ça a juste vocation à faire ressortir les points qui ne vont pas, et à les mettre en défaut, en fait, entre guillemets. Donc je me suis vraiment mis l'idée dans la tête que la société qui est dépendante dans ce roman, c'est pas exactement la société dans laquelle on vit. C'est une société poussée à l'extrême. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, je pense que tous ceux qui n'ont pas aimé ce roman, je peux le comprendre, je peux complètement le comprendre, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé ça peut-être très positif. Je sais pas, je pense que ça peut venir de ça, mais en tout cas, moi je suis vraiment partie du principe que la société qui était dépeinte est différente de la nôtre. Voilà, ça c'est un petit peu ce dont je voulais parler à la base, parce que ça me semble important pour la suite de la chronique. La première chose qui m'a frappée avec cette notion de pessimisme, c'est aussi le fait que c'est un roman qui, en plus d'être assez inclusif, est bourré de références de toutes sortes, de références cinématographiques, de références littéraires. On parle beaucoup de Cyrano de Bergerac, d'ailleurs, d'Harry Potter, enfin il y a plein de références assez intéressantes. Et justement, c'est des œuvres que le personnage principal connaît, et ça casse un petit peu des clichés comme quoi les jeunes ne lisent pas de classiques. Bref, ça j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un bon aspect, et ça rajoute un petit peu d'intérêt, en fait, au récit, clairement, ces petites références qui ponctuent le récit, j'ai trouvé que c'était vachement bien pour l'histoire. Et qui plus est, ces références, elles vont venir à chaque fois soutenir la réflexion autour de l'adolescence que l'auteur mène dans ce récit, parce que clairement, c'est un roman sur l'adolescence, et en particulier, c'est un roman sur la recherche de soi et le fait de ne plus se définir par rapport aux autres. Typiquement, Roxane, elle est très attachée à Maëlys, sa meilleure amie, mais du coup elle est tellement attachée à elle et son amie est tellement grandiloquente et tellement investie dans tout ce qu'elle fait. En fait elle prend, je pense que tout simplement elle prend de la place et du coup Roxane elle s'écrase en face d'elle et elle la suit en fait littéralement partout jusqu'à cet événement qui va se passer qui va faire prendre conscience à Roxane de certaines choses dont elle n'avait pas conscience, notamment tout simplement
de commencer à se définir soi-même en tant qu'être humain, en tant que personne, et de commencer à faire les choses pour soi. Et ça, j'ai trouvé que c'était un beau message à faire passer, parce que c'est vrai que souvent, pendant l'adolescence, on est confronté à une situation où on est face à quelqu'un avec qui on est très ami, qui a une personnalité peut-être plus grandiloquente que la nôtre, et qui du coup va nous définir, parce que on peut pas s'imposer face à elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire encore une fois, mais c'est assez récurrent ce schéma au moment du collège, du lycée. Donc j'ai trouvé ça vachement bien que l'auteur mette en lumière un petit peu ce cheminement qu'on peut avoir sur la recherche de soi, sur le fait de se définir soi-même, pas par rapport aux autres, mais juste par rapport à sa propre personnalité, son propre libre arbitre. J'ai trouvé ça vachement bien. Honnêtement, j'ai trouvé que cet aspect était hyper intéressant et je pense que c'est un aspect qui gagnerait à être beaucoup plus répandu dans les œuvres de littérature adolescente. Parce que c'est primordial en fait dans la construction d'un adolescent de commencer à se poser des questions par rapport à la personne qu'il est ou qu'elle est. Clairement, c'est un moment charnière dans la vie et que si on commence à se définir par rapport aux autres au moment de l'adolescence, on le fera toute notre vie et c'est assez dommage. Avec ça, et au-delà de ça même, j'ai trouvé que c'est un roman qui était assez déculpabilisant sur pas mal de sujets, notamment Roxane. Elle choisit les études qu'elle va faire après le bac en fonction de ce que ses parents veulent qu'elle fasse. Et peut-être que l'événement qui va se passer va aussi lui permettre de se poser réellement la question de ce qu'elle veut faire elle. Encore une fois, on en revient à cette question de se définir par rapport aux autres. Elle, c'est se définir par rapport à son ami, par rapport à ses parents. Toute cette réflexion va l'amener à se demander ce qu'elle veut faire elle de sa vie. Et c'était vachement déculpabilisant parce que finalement, l'auteur nous porte un message qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire de grandes études dans la vie pour forcément réussir. Et pour forcément être heureux, tout simplement. Donc j'ai aussi beaucoup aimé cet aspect-là, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Encore une fois, je pense que c'est un aspect qui gagnerait à être beaucoup plus mis en avant dans les romans adolescents. Je l'avais beaucoup vu dans Radio Silence d'Alice Osman. J'avais adoré cet aspect-là parce que justement ça me semblait absolument primordial. Il y a beaucoup trop d'adolescents qui, comme ils ont des facilités à l'école, vont faire de grandes études et qui finalement font des choses qu'ils n'apprécient pas forcément. Et là, on se pose des questions. Est-ce que t'es heureux dans ta vie ? Voilà. Donc, autant vous dire que ces 225 pages de roman m'ont quand même amené à pas mal de réflexions. Et bah, je trouve que c'est bien en fait, parce que ça veut dire que ce roman a su me questionner en fait, tout simplement. En fait, c'est des réflexions que j'ai déjà eues moi-même, parce que je suis déjà passée par l'étape de l'adolescence. Hein. Voilà, je vais avoir 22 ans, donc voilà, j'ai pas totalement le même âge que Roxane. Mais n'empêche que je me mets à la place de l'Amélie d'il y a 4 ans, quand elle passait son bac, et je me dis que peut-être qu'elle aurait gagné à avoir ce genre de romans dans sa bibliothèque pour l'aider à avoir les réflexions que j'ai eues du coup ensuite. Voilà. Je m'éparpille parce que j'ai plein de choses à en dire et c'est fou que j'ai autant de choses à dire sur un roman qui est si court. Je suis assez contente en fait parce que ça me fait trop plaisir de vous refaire une chronique comme ça en vidéo. Je suis tout émoustillée. Les deux derniers points que je voulais aborder, c'est tout d'abord le fait que Roxane a une petite sœur dans ce roman. Une petite sœur qui s'appelle Juliette. Et j'ai trouvé que la relation entre elles était magnifique. Et ça fait trop plaisir en fait, tout simplement parce que souvent dans la littérature adolescente, on a un personnage qui va se chercher, qui va être peut-être un peu rebelle, qui va essayer de contourner les lois ou des choses comme ça. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et ce genre de personnage, il a tendance à être en rupture avec sa famille. C'est-à-dire qu'il ne s'entend pas avec ses frères et sœurs, il ne s'entend pas avec ses parents. C'est toujours un petit peu compliqué dans le contexte familial. Et là, pas du tout. Avec sa sœur, elles s'entendent hyper bien, elles sont juste hyper choues, elles s'entraident, elles sont... Oh, j'ai adoré leur relation, c'était hyper bien. Ça fait trop plaisir de voir une relation comme ça, fraternelle, dans un roman adolescent. Ça m'a fait trop plaisir, en fait. Littéralement, ça m'a fait trop plaisir. Pour terminer, d'un point de vue de l'écriture, je suis pas spécialement convaincue par l'écriture en elle-même. L'auteur a pris le parti, encore une fois, d'écrire son roman comme si c'était réellement une jeune de 17-18 ans. 18 ans. Qui écrivait le roman. Je suis pas toujours fan quand les auteurs font ça parce qu'en fait ils sont pas forcément toujours dans le vrai, dans la façon dont les jeunes s'expriment. Je suis pas toujours très convaincue. Là j'ai trouvé que ça s'améliorait au cours du récit. Au début j'étais un peu en mode non, c'est pas très réaliste. Au final ça s'améliore. Je sais pas si j'ai été très très claire, mais j'avais plein de choses à vous en dire et je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de le lire. Il y a quand même une jolie valeur ajoutée, hein, comme je vous le disais, c'est un roman qui est entièrement illustré d'ailleurs, qui a été complètement illustré par Charlotte Bousquet, c'est elle qui a fait toutes les illustrations. Et ça rajoute une petite touche d'art qui est importante dans le récit et qui permet de ponctuer le récit de façon assez,
assez intéressante. J'ai trouvé que c'était une jolie plus-value de ce roman. Donc honnêtement, bah moi je vous le recommande. Je vous conseille d'aller voir d'autres chroniques si vous voulez peut-être en savoir plus ou vous positionner par rapport à ça. Et il va falloir que j'aille travailler maintenant parce que du coup j'ai pas travaillé. Voilà. Je vous retrouve sûrement demain, je pense que ce soir je vais m'arrêter là, je vais aller travailler. Ce sera mieux. Bon, on est dimanche matin, je sais pas quelle heure il est, peut-être 9h30, 9h43. Et on va partir faire une petite séance de photos avec ma maman parce que du coup comme je repars à Rennes le week-end prochain, je vais plus avoir de maman à ma disposition pour faire des photos et plus de montagne à ma disposition pour faire des photos. Donc il faut qu'on y aille aujourd'hui. Alors il fait pas extrêmement beau malheureusement, mais on espère qu'en montant un petit peu en altitude on va réussir à trouver un petit peu de rayon de soleil et de ciel moins gris. Voilà, donc je vous emmène avec moi dans cette petite aventure. Et juste pour information, ce matin j'ai lu le tome 2 de Après la pluie de Jun Miyazaki. Et dans la continuité du tome 1, c'est-à-dire que je continue à bien apprécier le traitement des thématiques et je trouve que c'est un manga qui, malgré la thématique assez touchy justement, reste assez bienveillant et du coup je trouve ça vachement chouette. Je vous retrouve vachement plus tard. Je vous avoue que j'ai un peu délaissé ce vlog. On est vendredi soir, donc le 12 mars, il est 22h44. Et demain, je repars à Rennes. Je repars à 8h le matin, 8h22. Et j'ai toujours pas fini ma valise. Voilà. Je pense que ça vous fait peut-être penser à un autre moment, pas si ancien, en vlog. Voilà. J'ai pas du tout envie de repartir. Je suis contente de reprendre l'entreprise en soi parce que l'école là c'était plus possible, c'était beaucoup trop compliqué au niveau horaire, au niveau charge de travail, j'en pouvais vraiment plus. Mais j'ai pas envie de partir. Je suis pas dans un très bon mood en ce moment et je sais pas, j'ai pas spécialement envie de partir. Bref, mais il va bien falloir. Hein. Donc là je vais vous montrer les livres que je voulais emmener comme ça, ça me fait les mettre dans ma valise. C'est à peu près l'une des dernières choses qu'il faut que je rajoute. Donc je vais sortir ça avec vous comme ça, je vous montre ce que j'emmène avec moi. Je pense que c'est la meilleure des solutions. La semaine a été assez mouvementée en fait, parce que dimanche soir, juste après que j'ai commencé le vlog en fait finalement, il nous arrive un truc pas très très cool avec l'œil des lecteurs, qui n'est plus en fait l'œil des lecteurs depuis. Ouais, c'est passé des trucs pas très très cool, je pense pas que j'ai trop la possibilité de vous en parler parce que... C'est encore une situation un peu compliquée, donc je préfère ne pas trop en dire. En gros, l'œil des lecteurs n'existe plus. Toutes les chroniqueuses l'ont quitté et on a créé un nouveau média. Donc ça s'appelle La Voix des Lectrices. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Mais en fait, tout ce qu'on a construit depuis un an s'est perdu, entre guillemets, avec la fermeture de l'ancien média. Et du coup, ça a été un gros travail de remise en place, entre guillemets, de penser au nouveau design, à la charte graphique et tout. Alors... Je vais être honnête, c'est pas spécialement moi qui m'en suis occupée parce que j'ai eu une semaine chargée avec l'école, avec les parcelles, etc. Mais globalement, c'est vrai que ça a été quand même une charge mentale assez importante dans le sens où on avait super peur que finalement ça marche pas. On a eu vraiment un espèce de coup de massue quand c'est arrivé et du coup, c'est vrai que ça a engendré pas mal de choses sur ma semaine en fait. Tout simplement, ça a été juste une charge mentale un peu supplémentaire. Déjà qu'avec les parcelles, c'était pas trop ça. Mais bon. On est là, on est debout, on est présent, ça va aller. Et du coup, bah, j'ai fini mes partiels. Hein. J'en ai eu un cet après-midi. Donc là, c'est cool, ça va me faire quelques semaines, 6. Un peu plus cool, un peu plus calme.
Je vais travailler, mais globalement, quand je rentrerai le soir chez moi, je vais avoir à travailler sur des dossiers à rendre, mais globalement, je n'aurai pas de devoirs comme j'ai actuellement. Enfin, comme j'ai eu en école depuis 2 mois, quoi. C'était terrible. Vraiment. Le rythme d'alternance est extrêmement intense et ouais, c'est un peu compliqué à suivre. Mais bon, voilà. Pas ici pour se plaindre, même si j'adore ça, hein, vous l'aurez remarqué. Du coup, je vous fais juste un petit update de lecture. Faut juste que je trouve mon livre. Du coup, cette semaine, j'ai commencé ce roman, donc Dear Evan Hansen. Et alors, c'est écrit par un collectif d'auteurs, donc je vous l'ai dit. Valémiche, Steven Levinson, Ben Spasek et Justin Paul. C'est un roman qui est adapté d'une comédie musicale. Je ne connais absolument pas cette comédie musicale en question, donc c'est vraiment une découverte pour moi. J'ai pas mal avancé quand même, je suis à la page 182. Je voulais le terminer ce soir pour ne pas avoir à trimballer ce livre jusqu'à Rennes, mais on va pas se mentir, je vais pas réussir à terminer ce roman ce soir. J'ai ma dose de fatigue et le fait que je me lève tôt demain, c'est impossible. Donc me voilà à devoir trimballer ce livre jusqu'à Rennes, mais c'est pas très très grave. Donc voilà, le premier livre que j'emmène, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Donc voilà, alors celui-là, je pense que je le terminerai même dans le train demain, parce que j'ai quand même pas mal de trains. Donc voilà. Ensuite, j'ai regardé un petit peu parmi mes services presse et les livres qui me faisaient super envie en ce moment pour choisir un petit peu les livres que j'allais emmener. Donc je me suis prévu Anne d'Avonlea, donc de Lucy Maud Montgomery, qui est d'une beauté, personne n'était prêt pour cette beauté, clairement. Et j'ai super hâte de le lire. C'est la suite d'Anne de Green Gables. Donc évidemment j'ai super hâte. Et je pense que ça va être un roman hyper feel good dans lequel je vais me plonger avec un immense plaisir. Donc j'ai super hâte. Donc voilà, j'emmène celui-ci. Ensuite en service presse, j'emmène L'attrape-malheur de Fabrice Hadjadj, que j'ai reçu de la part des éditions La Joie de lire. Et c'est un roman qui va se lire assez vite, c'est du jeunesse et il est illustré. Donc voilà, ça parle d'un petit garçon qui attrape les malheurs des gens. Voilà, ça m'avait l'air intéressant, donc je vais lire ça bientôt. Je veux me lire aussi La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, tout simplement parce que j'ai fait une photo pour ce roman, comme pas mal de romans que j'ai pas encore lus, puisque comme j'ai pas lu en février, voilà. Et en plus j'ai peut-être une petite lecture commune prévue avec ma petite Mathilde de Mes douces lectures. Du coup voilà, j'emmène aussi celui-ci. Un roman que j'avais emmené quand j'étais allée à Rennes la première fois mais que j'avais pas lu, c'est le tome 2 de L'éveil de l'ombre de Tiphaine Le Vilain. Faudrait vraiment que je le lise, il est tout court donc ça va se lire super vite en plus. Je pense que même si je me pose une fois, je pense qu'il peut être terminé tellement il est court, il fait 180 pages. Après je vais voir au niveau de la place dans ma valise parce que clairement j'ai pas non plus toute la place du monde, clairement. Mais j'aimerais bien aussi amener Autobiographie pour le terminer. Comme je vous avais dit, j'avais déjà bien avancé, peut-être que je reprenne un petit peu avant pour voir où ils en sont, mais globalement... ça va, c'était pas très compliqué, je devrais m'en souvenir. Donc je vais essayer d'emmener celui-là aussi, à voir si ça rentre, parce qu'on n'est pas sur une place immense encore. Donc à voir si j'arrive à lire tout ça, sachant que je vais aussi prendre ma liseuse et que j'aimerais au moins avancer de... au moins 2 tomes dans Les Aventures de la Mer. J'ai fait le tour, je crois, de tout ce que je voulais emmener. Donc je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous reprendrai demain, sûrement en arrivant à Rennes, je pense. Mais voilà, faut que j'aille absolument terminer ma valise. Parce que je voudrais ne pas me coucher trop tard, je suis déjà éclatée. Et je vous retrouve plus tard et surtout beaucoup plus loin, à environ 800 km de distance. Coucou tout le monde, je vous retrouve avec ma cuisine en arrière-plan. Le meilleur layout que vous ayez jamais vu. Mais en fait j'ai trouvé je sais pas, c'est pas mal là comme ça. J'ai mis mon mini trépied sur la table et du coup je suis posée. Je pense que ça va devenir un layout assez habituel pour les vlogs. Très clairement, je sens que ça va être ça parce que lorsque j'ai tourné le dernier vlog à Rennes, je m'asseyais par terre. Donc c'était pas terrible. Clairement, même si j'avais la passe miroir derrière moi, c'était pas terrible quand même. Du coup, je pense qu'on va partir sur cette disposition-là. Ça me semble pas trop mal. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis de retour à Rennes. Je suis arrivée chez moi il y a moins d'une heure. Donc effectivement, je viens d'arriver. Je me suis fait un petit cappuccino. Et j'avais envie de discuter un petit peu parce que bah, maintenant je suis toute seule. Donc je vais vous parler du roman du coup que j'ai terminé dans le train. J'étais pas sûre de réussir à le terminer dans le train parce que comme je vous l'ai montré hier, j'avais même pas encore atteint la moitié hier soir. J'étais page 182, il en fait 423 et je l'ai terminé pour le TGV entre Lyon et Rennes. Et je suis vraiment très contente. C'est un livre qui se lit très très bien et je suis vraiment contente parce qu'en fait j'appréhendais un petit peu cette lecture dans le sens où
C'est un roman qui parle de thématiques assez difficiles. On va quand même parler de suicide et d'anxiété sociale. Donc ça va être des thématiques qui sont assez touchy dans le sens où ça touche à des thématiques qui peuvent trigger, qui peuvent ne pas plaire si c'est traité d'une façon différente de ce que la personne a vécu. C'est des thématiques qui sont un petit peu compliquées à traiter, je trouve, en général. Donc c'est assez risqué de se lancer dans l'écriture de ce genre de roman. Et je suis assez agréablement surprise par celui-là, parce qu'en fait, malgré le fait qu'il traite de sujets assez compliqués, il arrive à donner un ton assez jovial, entre guillemets. Alors, pas pour décrédibiliser ni pour donner un sens plus facile aux thématiques, mais vraiment dans le sens où on a un personnage qui, qui est souvent tourné en ridicule. Et j'ai bien aimé sa personnalité, j'ai bien aimé la façon dont il s'exprimait. Et c'est en fait, c'est lui qui apporte une dose d'humour et une dose de légèreté finalement à ce roman. Encore une fois, sans dénigrer les thématiques et ce que les personnages peuvent vivre dans ce roman, j'ai beaucoup aimé le format. C'est un format que je vous dévoilerai pas parce que c'est assez cool de le découvrir par vous-même. J'ai trouvé ça assez sympa. C'était une chose à laquelle je m'attendais pas. C'était plutôt surprenant. Donc je vous laisse le découvrir pour savoir un petit peu comment ça se découpe. Mais moi, je trouvais ça très intéressant. C'est pas spécialement extrêmement bien écrit, même si il y a des réflexions qui sont très intéressantes. Je pense que ça peut venir de la traduction aussi. Je pense que de base il y a une volonté de faire ressortir des messages très beaux, sauf que c'est peut-être un petit peu entaché par la traduction, je sais pas, il y a quelques fautes d'orthographe aussi, donc ça, c'est peut-être quand même un point négatif à souligner. Mais les personnages étaient super attachants, j'ai adoré Evan. Je l'ai trouvé, malgré le fait qu'il fait des choses qui sont pas forcément très chouettes d'un point de vue éthique, je trouvais qu'il était intéressant, qu'il était traité de façon assez intéressante. Pour vous parler un petit peu plus de l'histoire, on va donc suivre Evan Hansen, qui a de l'anxiété sociale et... ça s'est mis à pleuvoir d'un coup. Et j'étais pas prête. Au début où j'ai commencé à tourner, il faisait grand beau soleil et là il pleut, mais elle était corde. Bienvenue en Bretagne. Bref, qu'est-ce que je disais? Je disais donc qu'on suit Evan, donc ce jeune garçon qui souffre d'anxiété sociale et qui consulte un psy. Et son psy lui conseille de s'écrire des lettres à lui-même tous les jours de façon quotidienne pour relater un petit peu le positif de ses journées. Et en fait, il va s'avérer qu'un jour, il y a un garçon du lycée d'Evan qui s'appelle Connor qui va tomber sur l'une de ses lettres, qui va interpréter les choses d'une façon un peu, voilà, pas terrible, et qui va du coup récupérer la lettre. Sauf que Connor est retrouvé mort le soir même avec la lettre de Evan sur lui. Sauf que comme Evan se parle à lui-même, il commence toutes ses lettres par « Cher Evan Hansen ». Donc en fait, tout le monde va croire que Connor a écrit cette lettre à Evan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc gros quiproquo. Sachant que du coup Connor s'est donné la mort et que dans cette lettre, Evan il parlait de son mal-être, il parlait du fait qu'il en a marre et qu'il aimerait que les choses soient autrement. Donc forcément vous voyez que ça va être un petit peu interprété de façon biaisée entre guillemets. Et donc Evan, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas démentir le fait que la lettre ait été écrite par Connor et que Connor et lui aient été amis, ce qui n'est absolument pas le cas. Il va commencer à finalement être vu par tout le monde alors que c'était quelqu'un qui était invisible au sein du lycée. Et c'était super intéressant, j'ai bien aimé vraiment le traitement de l'adolescence. On comprend en fait qu'il y a vraiment une thématique sous-jacente qui est pas trop mise en avant au début mais qui est vraiment prépondérante dans le roman, qui tourne autour des relations parentales. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant ce côté-là. Au-delà du fait qu'on ait vraiment des adolescents qui soient dans un grand mal-être, on comprend qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Et j'ai beaucoup aimé cette explication, cette justification entre guillemets du mal-être de ces adolescents, et c'était vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi une thématique autour de la communauté LGBTQ+, et ça c'était vraiment intéressant aussi. Donc voilà, je pense que je l'ai assez dit, c'était très intéressant comme lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lisait très bien. C'était un bon moyen de traiter de sujets vraiment compliqués, mais d'une façon assez accessible en fait, parce que c'est vrai que des romans qui traitent de suicide... Évidemment, ça a tendance à être plombant, hein, c'est à peu près normal. Et en un sens, c'est logique et c'est pertinent. Et là, ça a cassé un petit peu ce côté plombant, même si j'ai trouvé quand même qu'à la fin, il y avait des scènes un petit peu plus difficiles.
Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur cette ambivalence entre finalement la légèreté et quand même des sujets difficiles. J'ai trouvé que ça se mariait pas si mal que ça finalement. Et donc pour moi ça a vraiment très bien marché, ça a été une très bonne lecture. Et je vous la recommande si vous êtes intéressé par évidemment les thématiques et si vous êtes intrigué tout simplement par, je sais pas, par les personnages, par cette fameuse narration un peu particulière que je voulais souligner. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu et surtout de l'avoir dévoré parce que j'ai lu plus de la moitié dans le train du coup, dans le TGV même carrément. Donc voilà. Et du coup, comme nous sommes samedi après-midi, je vous l'ai même pas dit mais je pense que vous l'avez compris. Nous sommes donc le samedi 13 mars, il est 16h. Donc il me reste encore, mais il pleut mais c'est terrible. Donc là je vais terminer mon café. Je vais terminer de défaire mes bagages parce que j'ai un peu laissé ça en plan, clairement. Et puis je pense que je vais réfléchir à ma prochaine lecture. Il me reste du coup ce soir tranquille, demain tranquille toute la journée puisque demain on sera dimanche donc je reprends le travail que après-demain. C'est vraiment trop chouette. Yes. Oui. Ok. Étonnant. Bon bah on a perdu avec le BDE. C'est pas très étonnant, mais c'est un peu triste quand même. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, du coup, j'ai le temps de terminer mon café pendant mon appel. Enfin presque. Voilà, j'ai terminé. Et du coup, bah, je vais aller terminer mon petit rangement et puis réfléchir à ma nouvelle lecture. J'ai aussi mes trois petits livres que j'avais achetés à Rennes. Donc trois livres en VO que je vous avais montré dans le tout dernier vlog. C'était la dernière séquence du vlog. Donc je sais pas si j'ai envie de lire en VO, sachant que j'ai aussi Autobiographie que j'ai pris qui est en VO. Je sais pas trop. Il y a aussi le tome 2 de Anne de Green Gables que j'ai trop envie de lire. Donc je ne sais pas. Sachant que vraiment demain, je sens que je vais faire que lire. Ça va être tellement bien. J'ai trop hâte. Bref, je vous laisse ici, je vous reprends quand j'ai choisi ma nouvelle lecture. Et puis voilà. Avec ce petit trépied. Bon, je reviens du coup beaucoup plus tard. Il est 23h30 et du coup, comme vous avez pu le constater sur mes précédentes petites séquences avec mon thé, je vais me lire le tome 2 de Anne de Green Gables. Donc j'ai déjà lu les deux premiers chapitres, hein. Je suis à la page 27. Bah monsieur, là, faut pas tomber. Je disais donc, ce soir, j'ai travaillé sur un design pour la voix de l'électrice avec Graziella. On a bien rigolé d'ailleurs, c'était très très drôle. Et du coup, j'ai pas du tout lu. Du coup, là, je vais me faire une tisane et je vais lire un petit peu dans mon lit avant d'aller me coucher. Parce qu'il fait un petit peu tard pour mamie Amélie. Mais bon, demain, c'est dimanche, pas de réveil. Donc, c'est pas très grave. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire de vive voix que j'allais entamer celui-ci. Et j'aurais bien aimé le terminer demain. Demain, on a une réunion avec la voix d'électrice, du coup, pour parler un petit peu de la nouvelle organisation. Mon trépied est en train de tomber. C'est super chiant. Vous ne voyez plus l'eau de ma tête, mais vous avez compris. Voilà. Du coup, on a une réunion demain après-midi. Donc, c'est à peu près la seule chose que j'ai prévue pour toute la journée demain. Mais du coup, le reste de la journée, je pense que je vais lire. Voilà, tout simplement. Mes voisins font des bruits très bizarres ce soir. Très bizarre. Bon, très bien. Bref, je ferme ma tisane, je vais dans mon lit. Et je vous retrouve demain pour vous parler un petit peu de celui-là, qui va être, je le sais d'avance, un plaisir de lecture. Coucou, je vous retrouve pendant mon petit déjeuner. Nous sommes dimanche matin, donc le 14 mars, il est 9h27. Je suis réveillée depuis 2h. Voilà. Vie ma vie de lève-tôt. Et du coup, je vais prendre mon petit déjeuner. Là, je me suis fait mon petit thé. J'ai mon petit jus de fruits également. Et je sais pas trop ce que je vais manger. Parce qu'il me restait pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave, on va s'adapter.
Ce matin, du coup, comme je me suis réveillée tôt, eh bien, j'ai bien avancé dans Anne d'Avonlea, j'ai atteint le premier quart. Je suis à la page 87 et je suis trop contente de retourner dans cette lecture. C'est trop bien. Trop bien, j'adore. C'est toujours aussi plein de bonnes références et on sent que Lucy Maud Montgomery, c'était une femme de lettres. Clairement, elle a vraiment des références littéraires incroyables. C'est un truc de fou. Je suis trop contente de découvrir la suite des aventures d'Anne. Même si je vois que du coup la série avait emprunté des éléments de la suite de la saga, pas seulement du premier tome, donc c'est vachement chouette. J'adore, trop bien. Et du coup j'aimerais bien terminer aujourd'hui. Il faut savoir que c'est quand même une langue assez soutenue, hein. Ça a été écrit à la fin du 19e siècle, donc on est quand même sur de la littérature assez classique, ça reste du jeunesse, donc c'est assez facile d'accès, mais c'est moins fluide que ce qu'on peut lire actuellement en jeunesse, voilà. C'est vraiment une langue assez soutenue, donc ça se lit pas tout seul, mais ça se lit quand même très très bien. Bref, je vais essayer de le terminer aujourd'hui, ce serait trop chouette. Et du coup, je vous tiens au courant. Voilà, du coup là, je vais manger mon petit déjeuner en regardant le dernier vlog de Steph, de PTC, puisqu'elle fait des vlogs mars, pendant ce mois de mars du coup. Et je suis très à jour, je la suis assidûment. Bref, je vous retrouve plus tard dans la journée quand j'aurai un petit peu avancé dans ma lecture. Coucou, je vous retrouve, on est le soir, il est 23h passé. J'ai totalement pas vlogué aujourd'hui, mais alors totalement pas. Et oui, vous avez ma tête sans lunettes, je suis désolée, hein. Elles sont dans la salle de bain, j'ai un peu la flemme d'aller les chercher, puis c'est pas très grave, je vous vois. J'ai binge-watché une série, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire ça, clairement. J'ai regardé les 7 premiers épisodes de la série Ginny et Georgia. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, d'autres que j'aime moins. Donc j'ai hâte de voir la suite et fin de la première saison. Je suis un peu partie dessus sur un coup de tête. J'avais commencé The Crown il y a quelques semaines. J'avais pas continué encore, mais je vais continuer parce que j'avais bien aimé le début. Mais là j'avais envie d'un truc un peu sans prise de tête. Et The Crown, ça demande un peu plus de concentration et d'investissement mental, on va dire. Donc voilà, donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai terminé. Je pense que je vais la terminer demain soir. Et puis j'ai travaillé. J'ai pas arrêté de dire à Marine ce matin, oui, aujourd'hui je fais une journée de chill, je fais un week-end sans travailler, nanana, nanana. J'ai travaillé. J'ai travaillé plusieurs heures. J'ai travaillé sur un truc particulier pour l'école, sur lequel je devais travailler depuis un petit moment, et sur lequel j'avais pas encore travaillé justement. Et du coup, bah, voilà, là, je suis un peu plus au point dessus. J'ai pas terminé, ça va prendre beaucoup de temps, c'est pas un truc qui se fait en une fois, c'est un truc qui se fait sur la durée. Donc ça prend un peu de temps, mais bon, j'ai un petit peu avancé, c'est cool. Par contre, je n'ai pas du tout avancé dans Anne d'Avonlea, je pense que j'ai même pas ouvert le bouquin depuis que je vous ai fait un update ce matin. Donc mon challenge de le finir aujourd'hui, clairement. Voilà, j'ai pas du tout réussi, mais c'est pas grave du tout. Je l'emmène avec moi dans le bus demain pour lire dans le bus à l'aller et au retour. Je reprends les bonnes vieilles habitudes. Et puis je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Coucou, alors je profite qu'il fasse encore un petit peu jour, ça va, il est même pas encore 18h, 17h53, nous sommes le mardi 16 mars, et puis bah, comme la luminosité est quand même vraiment meilleure quand il fait encore un peu jour, j'en profite. Hier soir, j'ai terminé ma série, voilà, donc ça m'a pris la soirée, et du coup je n'ai pas lu, shame on me, mais du coup ce soir, alors j'ai quelques mails à envoyer pour le boulot notamment, mais sinon je vais lire. Clairement, je vais lire. Donc, je suis toujours dans Anne d'Avonlea et j'ai atteint la moitié dans le bus ce matin. J'ai pas pu lire ce soir en rentrant parce que j'étais debout. Parce qu'il y avait trop de monde dans le bus, on était comme ça, comme des sardines. La distanciation sociale, on adore. Bref, donc je suis à la page 168 actuellement. Et donc là, je vais m'y remettre. Je suis rentrée du boulot il y a même pas une demi-heure. Donc, ce soir, je lis. Peut-être que je le termine, ce serait pas mal. Il me reste du coup 170 pages à lire. Le week-end prochain, il y a Marine qui vient à Rennes. Et on vous a prévu une vidéo qui va être trop cool. Enfin, je pense que ça va être trop drôle. J'ai trop hâte qu'elle soit là, déjà parce que j'ai envie de la voir. Et deuxièmement, parce que je pense qu'on va bien s'amuser. Donc voilà, vous verrez. Mais en tout cas, j'ai hâte. Mais du coup, j'ai fini Ginny and Georgia. Et j'ai vachement aimé. Vous le savez, je me prends pas trop la tête avec les séries. Je les regarde. J'essaie de pas trop me poser de questions. Je me pose vachement plus de questions en lisant un livre qu'en regardant une série. Après, je pourrais, hein, clairement, il y a des passages où j'étais en mode voilà. Mais j'ai une plus grande tolérance avec les séries, je sais pas pourquoi. Bref, dans tous les cas, c'était un bon visionnage. J'allais dire une bonne lecture, non.
l'habitude. C'était une bonne série qui traite de pas mal de sujets intéressants. Pour ceux qui connaissent pas, on va suivre Ginny et Georgia. Ginny étant la fille de Georgia, en fait Georgia a eu sa fille quand elle avait 15 ans, et maintenant Ginny a 15 ans, donc sa mère a 30 ans. J'espère que vous me suivez. Et en fait, on va suivre leurs deux histoires en parallèle, donc leur histoire d'amour, leur histoire professionnelle, et pour le cas de Ginny, au lycée. Et c'est vachement cool, il y a plein de thématiques abordées, notamment par le fait que Ginny est métisse, elle a un papa qui est noir et une maman qui est blanche, donc Georgia. Et c'est vachement intéressant parce que j'ai bien aimé le point de vue qu'elle prône dans la série. Encore une fois, il faudrait que je me renseigne sur des avis de personnes concernées à ce propos, parce que je suis pas la plus à même de juger si c'est bien traité ou pas, évidemment. Mais moi, en tout cas, en tant que personnage, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé son histoire d'amour. En fait, dans le premier épisode, j'ai eu un peu peur. Je me disais, oula, oulala, oulala. Et au final, non, ça va, j'ai bien aimé. Après, encore une fois, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, dans le sens que il y a des choses très clichés, typiques des séries adolescentes de ce type-là, avec des personnes qui se mentent, y a des gros quiproquos, des triangles amoureux. Voilà, vous imaginez bien, assez cliché. Mais dans le genre, j'ai vachement aimé. En plus, il y a un acteur trop beau, enfin des acteurs en général, que ce soit actrice ou acteur d'ailleurs, ils sont très très beaux. Hein. Et surtout, gros cliffhanger à la fin. Donc très hâte de voir la saison 2, elle n'a pas encore été annoncée par Netflix, donc j'espère qu'elle sera reconduite, mais normalement ça devrait être le cas, puisqu'elle est numéro 2 des visionnages en France actuellement, donc voilà. Mais voilà, c'était un bon petit visionnage, et surtout ça m'a plu de pouvoir me poser pour juste regarder une série tranquille, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas pu faire ça, donc c'était très chouette. Du coup, je pense que je vais reprendre mon visionnage de The Crown, que j'avais commencé il y a un mois, un truc comme ça. J'ai vu les 4 premiers épisodes et j'ai pas continué encore, donc voilà, je pense que je vais reprendre tranquillement, me regarder peut-être un petit épisode en mangeant, vous voyez. C'est typiquement pas le genre de série que je vais binge-watcher. Je vous ai pas fait d'update, mais globalement je pense que vous en doutez, j'aime beaucoup ma lecture. C'est dans la veine du premier tome, hein, clairement. Je préfère la série, je vais me faire cracher dessus. La série est magnifique, la série aborde plein d'autres thématiques qui sont pas abordées dans le roman, en tout cas pas au point où j'en suis. Les acteurs sont phénoménaux, donc j'ai un attachement particulier pour la série, d'autant plus que c'est ce que j'ai découvert en premier, puisque j'ai lu le roman après avoir vu la série. Encore une fois, le travail de Monsieur Toussaint Louverture, que ce soit sur l'objet livre ou sur la traduction, est assez phénoménal. Donc voilà, c'est tout, je m'arrête là, et je vous reprends peut-être si j'ai encore quelques petites choses à vous dire, et puis pour clôturer le vlog, parce que je pense que ça va. Là, il est déjà assez long comme ça, dans la mesure où j'ai pas de wifi, vous le savez, j'utilise mon forfait internet pour poster mes vidéos, donc on va éviter de faire comme la dernière fois et de mettre un vlog de 1 heure. Vous avez le droit de vous moquer de moi si le vlog fait 1 heure. Voilà. Hello, alors on est mercredi soir, donc mercredi 17 mars, il doit être 21h à peu près. Je viens de finir de manger, j'ai déjà pris ma douche, je suis déjà prête pour aller au lit en fait. Tout simplement parce que j'ai un challenge ce soir. Je pense que vous vous doutez un petit peu de quel est ce challenge. Terminer Anne d'Avonlea. Voilà, je pense que c'est faisable. Clairement, je suis à la page 284. Il y en a 344, je crois. Donc on est sur une petite soixantaine de pages à lire ce soir. Je pense que c'est faisable. Donc je vais m'y mettre. J'espère que je vais pas m'endormir sur mon livre, parce que hier soir, je me suis endormie, mais comme une masse, hyper tôt. J'étais au bout de ma vie, clairement. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à m'endormir. Enfin, ne pas m'endormir sur mon livre, du coup, ce serait pas mal. Obligé, je le finis ce soir. Je vais me faire une petite tisane. Ça va être trop cool. Bon, réaction à chaud, je viens de terminer Anne d'Avonlea. C'était trop bien, je suis trop contente, vraiment, trop trop contente. C'est une saga que je vais prendre un immense plaisir à suivre de façon récurrente en fait. À chaque fois que les tomes vont sortir, je sais que je vais suivre toute la saga, parce que c'est vraiment un roman hyper feel good qui nous présente des personnages hyper attachants.
C'est un peu historique aussi, hein, parce que même si c'est très romancé, évidemment, il y a un côté vachement historique, très conservateur, vous savez, de la fin du 19e siècle. Hein, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vit nous actuellement, surtout que là, ils sont sur une île au large du Canada, donc pas la même culture non plus, vous voyez. Et oh là là, j'aime tellement cette saga. C'est un truc de fou. Et du coup, la fin de ce tome 2 me donne extrêmement envie de lire la suite. C'est-à-dire qu'il y a une chose que j'ai adoré par-dessus tout dans la série. Et on sent que ça arrive là. On sent que ça pointe le bout de son nez. Et je suis tellement heureuse. J'ai trop hâte. Donc je ne sais plus quand sort le tome 3, mais je sais que c'est quand même dans pas trop longtemps. Donc j'ai super hâte. Voilà, j'ai juste super hâte. Et je suis trop contente de l'avoir lu. Du coup, je sais pas ce que je vais lire ensuite, mais j'ai quand même ma petite idée. J'ai très envie de continuer Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. Parce que du coup, j'ai lu le tome 4 dans le train en rentrant de Rennes en janvier. Ça faisait partie des romans dont je vous ai parlé dans le vlog que j'ai jamais sorti. Mais du coup, j'ai pas continué depuis, donc faudrait que je reprenne au tome 5. Et voilà, ça doit faire 2 mois que j'ai pas lu des Aventuriers de la Mer. Donc j'ai vraiment très envie de me lancer là-dedans. En plus, je les ai sur ma liseuse et c'est trop pratique la liseuse puisque je fais beaucoup de trajets en bus. Voilà. Donc si je me lance là-dedans, je pense que je vais le lire très 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 rapidement, ce qui serait plutôt cool. Donc oui, je pense que je vais lire le tome 5 des Aventuriers de la Mer. Je vous ai pas beaucoup parlé hein, de Dant Evenly, parce qu'encore une fois, c'est un tome 2. Donc c'est compliqué de vous en expliquer l'histoire. Hein. Globalement, c'est juste la suite de la vie de Anne. Là, on va la suivre pendant 2 ans, on va dire. Un petit peu plus de 2 ans. Ce qui est quand même moins que le temps qui se passe dans le tome 1. Dans le tome 1, on la suit pendant 6 ans. 5 ans, 6 ans, donc c'est quand même beaucoup. Donc voilà, on la suit pendant 2 ans, il se passe des choses particulières dans sa vie, elle est entre ses 16 et ses 18 ans. Et ça présage plein de belles choses pour la suite, donc j'ai vraiment très très hâte. Et puis encore une fois, pas mal de thématiques super intéressantes. Et puis toujours ce personnage de Anne, qui est adorable, qui est lumineuse et qui met vraiment de du baume au cœur en fait. Il est 22h10, donc ouais, j'ai le temps de faire une petite tisane. Et pourquoi pas commencer Les Aventuriers de la Mer. J'ai vraiment très envie de continuer en fait, vraiment. Je sens que ça commence vraiment à me manquer. Surtout que j'ai envie de continuer en fait tout simplement la saga pour pouvoir enchaîner après avec Les Cités des Anciens. Donc voilà, je pense que je vais partir là-dessus. Je me souviens plus exactement comment on termine le tome 4. Mais bon, je devrais réussir à retrouver assez rapidement. Je me fais pas trop de soucis avec Robin Hobb. En général, j'arrive bien à me remettre les idées en place. Bref, je vous laisse ici, je vous retrouve demain pour vous parler des Aventuriers de la Mer. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi soir, donc le jeudi, j'arrive même pas à lire, 18 mars, il est 22h, je reviens pour la dernière séquence de ce vlog, donc je viens le clôturer, donc je vous retrouve avec ma petite tisane, évidemment, comme vous pouvez le voir ici, hein, parce que c'est vraiment le meilleur layout, hein, vous savez. J'ai fait ma vaisselle, j'ai rangé mon appartement, oui parce que Marine arrive demain et que c'était un peu le Bronx, hein, voilà, bon, c'est pas non plus terrible parce que ça fait qu'une semaine que je suis là, mais c'est vrai que la table, j'avais un peu entassé des choses, la table ici on n'en parle même pas, et la vaisselle traînait un peu, un tout petit peu, je ne l'ai pas terminée, il y en a encore dans l'évier mais j'ai plus de place dans l'égouttoir, voilà. Bref, donc je reviens vous faire un dernier petit update lecture avant de clôturer ce vlog. Donc ce matin j'ai commencé dans le bus Les Aventuriers de la Mer, le tome 5, et j'en suis désormais à la page 54 sur 235, donc j'en suis au chapitre 3. Voilà. Et donc j'en suis presque au quart en fait déjà. Comme vous le savez, comme les tomes des œuvres de Robin Hobb ont été découpées en français, on a vraiment des tout tout petits tomes qui constituent en fait un tiers des tomes originaux. Donc on se retrouve avec vraiment des tomes qui sont assez courts, là 235 pages de liseuse, c'est clairement très court. Donc je pense que je peux le terminer dans le week-end si on se prend des petites pauses avec Marine pour lire, clairement. Et pour le moment j'aime beaucoup ce que je lis, hein. De toute façon c'est dans la continuité des tomes précédents évidemment. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que les personnages ont pris des directions un peu différentes à la fin du tome 4. Parce que du coup, oui, je me suis souvenue de la fin du tome 4 hein, sans problème. Et du coup, voilà, je suis très intriguée par le fait de découvrir ce qui va se passer ensuite. Voilà, ce qui est à peu près normal quand on est dans une lecture, quoi. Et je suis contente de retrouver les personnages, notamment évidemment mes petites préférées, hein, donc Brachen, notamment, que j'ai déjà croisé dans ce tome-là. J'ai pas encore vu Yéma. Mais bon, j'espère qu'il va arriver bientôt.
On y croit. Je pense qu'il va arriver. Vu la fin du tome 4, il devrait pointer le bout de son nez à un moment donné. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire. De toute façon, hein, je vous ai déjà beaucoup parlé des aventures de la mer dans les précédents vlogs. Là, j'aime beaucoup, encore une fois, la voix qui est donnée à Althea, donc, qui est l'un des personnages féminins des aventures de la mer. Et j'ai bien aimé son discours récemment. Là, j'ai lu, tout à l'heure, je lisais un chapitre où c'était Althea qui avait la parole. Et elle parlait de la façon d'être une femme. On est sur de la fantaisie médiévale, donc qui répond à certains codes, notamment sur les codes sociétaux et la place de la femme. Voilà. Et j'aime beaucoup le positionnement de Althea sur cet aspect-là. Donc voilà, je suis toujours aussi contente de retrouver la plume de Robin Hobb ainsi que ses personnages. Et je vous en dirai plus dans le prochain vlog à ce propos. Je vais essayer de commencer à monter ce vlog ce week-end pour que vous l'ayez la semaine prochaine. Ensuite, il y aura sûrement un book haul. Et ensuite, sûrement le vlog là, que je vais commencer à tourner demain. Voilà pour les petites informations. J'espère que ce vlog vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés dans ce vlog. Et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Si vous ne les avez pas lus, s'ils vous tentent. Voilà. Dites-moi si vous êtes content de retrouver les vlogs. Et puis bah moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !